téléspectateurs, une actualité dramatique nous renvoie à l'importance qu'ont revêtu dans l'histoire les conflits religieux, les guerres de religion. Évidemment, le contexte actuel avec la montée de l'islamisme radical, mais également à l'intérieur du camp musulman, les affrontements entre chiites et sunnites, en Birmanie, ceux entre bouddhistes et musulmans, nous rappellent qu'il y a là une dimension des conflits qu'il serait dangereux de négliger. C'est la raison pour laquelle nous sommes revenus sur l'histoire avec un hors-série de la Nouvelle Revue d'Histoire consacré aux guerres de religion, tuer ou mourir pour Dieu. Et à la faveur de la publication de ce hors-série, je me propose aujourd'hui de vous parler de la Saint-Barthélemy, moment évidemment essentiel dans le fameux roman national dont on nous rebat les oreilles, un événement, un épisode, donc 1572, août 1572, qui a fait l'objet de multiples interprétations, longtemps à sens unique, mais que l'on commence à mieux cerner aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il à propos de cette Saint-Barthélemy que l'école de la Troisième République a présenté régulièrement comme l'expression du fanatisme catholique, comme le résultat du machiavélisme criminel de Catherine de Médicis. Il serait temps de reprendre un peu tout cela et de remettre en cause ce qui a été longtemps considéré comme le crime d'État par excellence. Hein. À l'origine de tout cela, une tentative d'attentat contre Coligny, le chef du parti protestant. Hein. Ensuite, la volonté de la régente Catherine de Médicis et du jeune roi de se débarrasser de cette faction protestante qui entretenait la guerre civile depuis déjà plus de 10 ans. Et puis, les choses dérapent, puisque derrière ce règlement de compte, en quelque sorte, orienté contre une faction nobiliaire dangereuse pour le pouvoir royal, il y a le peuple de Paris, le peuple catholique de Paris qui se mobilise et qui va de fait organiser un gigantesque pogrom qui va être fatal à plusieurs milliers de protestants, le phénomène d'ailleurs gagnant la province au cours des jours suivants. De nombreuses victimes, mais le débat reste largement ouvert quant aux chiffres. Bossuet au XVIIe siècle parle de 60 000 morts, ce qui paraît tout à fait excessif. Beaumont de Péréfix, le futur archevêque de Paris, précepteur du jeune Louis XIV, mais auteur d'une histoire d'Henri IV, d'une hagiographie d'Henri IV, qui veut justement mettre en valeur le caractère rassembleur du roi Bourbon et accabler d'autant ses prédécesseurs valois, lui parle carrément de 100 000 victimes. Sully, le protestant, parle de 60 000 morts, mais c'est sur la période allant de 1553 à 1601, sans s'arrêter précisément sur l'épisode de la Saint-Barthélemy. Jacques-Auguste de Thou, l'une des figures aussi du parti protestant, parle lui de 40 000 morts, dont 10 000 à Paris. Le jésuite Bonamy, lui, parle de 4 000 morts à Paris, catholique, jésuite, hein, et 25 000 en province, dont on se demande un peu où il les a trouvés. Le protestant Jean Crépin, dans son histoire des martyrs persécutés et mis à mort pour la cause de l'Évangile, bah lui ne parle que de 15 000 tués. Donc on le voit, une très grande confusion dans les chiffres qui ont été souvent avancés. Nous avons une source peut-être un peu plus sûre, c'est celle que constituent les rapports envoyés par les ambassadeurs étrangers présents à Paris, où on arriverait là à des chiffres de 2 000 à 3 000 victimes à Paris et de 8 à 10 000 victimes en province. Mais donc un grand flou demeure quant aux chiffres, et il y en a certains qui apparaissent complètement fantaisistes, Brantôme, un fille évoquant le roi Charles IX, regardant passer 40
000 corps jetés à la Seine. Tout cela, évidemment, n'est guère sérieux. Nous avons des sources peut-être un petit peu plus fiables. Ce sont les salaires qui ont été payés aux fossoyeurs qui ont inhumé au cimetière des Innocents les cadavres qui ont été repêchés dans la Seine à l'ouest de Paris à hauteur de Saint-Cloud, d'Auteuil ou de Chaillot. 100 cadavres en 8 jours après la Saint-Barthélemy. Si l'on ajoute à cela d'autres sources de même nature, peut-être 800 autres avant. En tout, peut-être 1900 victimes qui auraient été jetées à l'eau durant ce fameux massacre. Voilà donc pour le flou général qui entoure le bilan final pour ce qui concerne les victimes. Alors, que s'est-il passé? Quelles sont les origines de cette affaire, de ce drame de la Saint-Barthélemy? L'explication avancée le plus souvent est simple, voire simpliste. Il s'agit d'un complot monarchique et catholique visant à éliminer la dissidence protestante qui entretenait la guerre civile depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et à une époque bien précise, c'est le moment où le parti protestant, le parti huguenot, veut entraîner la France dans la guerre contre l'Espagne en soutien aux Pays-Bas protestants révolté contre Philippe II, le roi d'Espagne. Et donc les coupables sont ainsi directement désignés, on met en cause la turpitude des derniers Valois, et notamment le machiavélisme criminel de Catherine de Médicis, l'intrigante Florentine, qui est présentée évidemment comme une figure particulièrement noire, avant d'avoir été largement réhabilité il y a de cela maintenant près d'une trentaine d'années par une biographie majeure d'Ivan Cloulas. Alors, comment vont se passer les choses? Je l'ai dit, tout va commencer par un attentat, une tentative d'attentat contre l'amiral de Coligny, l'un des chefs du parti protestant. Il est seulement blessé par un certain Charles de Louvier, sieur de Mauroy, mais qui a tiré sur lui depuis une maison appartenant à des proches, à des amis de la famille de Guise, qui elle est à la tête du parti catholique. Et l'explication est toute trouvée, c'est la duchesse de Nemours, veuve de François de Guise, qui aurait été la commanditaire du crime, encouragée en cela par Catherine de Médicis. Alors pourquoi cet attentat? Bien, il faut rappeler que quelques années plus tôt, en 1563, François de Guise avait été assassiné alors qu'il assiégeait Orléans par un protestant, Poltrot de Méré, et qu'à cette occasion, l'amiral de Coligny s'était félicité de sa disparition, au point que beaucoup avaient répandu la rumeur selon laquelle il était le commanditaire de l'assassinat en question. Donc il y a une vengeance peut-être derrière cette tentative d'attentat. Et l'événement n'arrive pas à n'importe quel moment. En effet, on s'apprête à célébrer les noces d'Henri de Navarre, l'un des chefs du parti protestant, avec Marguerite de Valois, fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, sœur du roi Charles IX, la fameuse reine Margot. Mariage organisé par Catherine de Médicis, dans le souci justement de rétablir la paix civile. Alors évidemment, tout cela va être présenté comme un piège, puisque toute l'aristocratie protestante va se trouver à Paris à l'occasion de cet événement, à l'occasion de ces noces, et va ainsi constituer la cible du massacre qui interviendra donc en août 1572. Le cas de Catherine de Médicis s'aggrave
encore, puisqu'une rumeur explique que lors du fameux Tour de France qu'elle a fait faire à son fils Charles IX quelques années plus tôt, pour le présenter à ses sujets, eh bien elle a rencontré à Bayonne le célèbre duc d'Albe, le général du roi d'Espagne Philippe II, celui qui est en train de mettre au pas les Pays-Bas révoltés, et à l'occasion de cette rencontre, elle est engagée à en finir avec la faction protestante. Donc l'interprétation globale de l'événement se met ainsi en place, et cela va être à l'origine évidemment d'une légende noire qui va s'installer, et cela tout à fait durablement. L'historiographie monarchiste même ne va pas revenir sur le sujet, va laisser se développer cette légende noire, parce que l'historiographie monarchiste va privilégier le règne d'Henri IV, le bon roi Henri, le rassembleur, celui qui a mis fin aux guerres civiles, au temps des troubles, et qui, de ce fait, a acquis une légitimité absolument indiscutable. Les Valois, eux, vont faire les frais, leur réputation va faire les frais, évidemment, de tout cela, et notamment Michelet, au XIXe siècle, va en rajouter une louche quant à la culpabilité, encore une fois, aux turpitudes des derniers Valois. Alors, les choses, heureusement, ont quand même changé au cours des dernières décennies. Les historiens modernistes, spécialistes du XVIe siècle, se sont penchés sur toutes ces questions, et nous avons aujourd'hui une autre lecture des guerres de religion que la lecture par trop manichéenne qui dominait jusque-là. Je pense notamment à l'admirable travail réalisé par Denis Crouzet avec sa Nuit de la Saint-Barthélemy. C'est une enquête particulièrement fouillée, exigeante, rigoureuse, qui nous permet d'avoir aujourd'hui une vision des choses équilibrée et une vision des choses la plus proche de la réalité. Il faut rappeler le contexte. La France a connu trois guerres civiles depuis 1562. L'assassinat est un mode d'action politique en fait tout à fait banal. J'évoquais tout à l'heure l'assassinat de François de Guise, le défenseur de Metz contre Charles Quint, le vainqueur de Calais qui a repris Calais aux Anglais. Eh bien, François de Guise est assassiné devant Orléans par le protestant Paul Trot de Méré. Nous verrons un peu plus tard, à l'issue de la bataille de Jarnac, le duc d'Anjou, futur Henri III, fait exécuter purement et simplement l'un des chefs du parti protestant, Louis de Condé. Donc nous sommes dans un contexte de violence dans lequel, encore une fois, l'assassinat est un simple moyen de la politique. Il y a bien eu des édits de pacification depuis que les choses ont commencé à mal tourner avec la rixe de Vassy en 1562, quand des hommes du duc de Guise s'en sont pris à des protestants, mais rien n'y a fait. Les exactions se sont poursuivies, les levées protestantes se sont répétés. On a vu en 1567 les protestants nîmois assassiner des dizaines de catholiques lors de la Saint-Michel, c'est la fameuse Michelade de Nîmes. On a vu le baron des Adrets s'illustrer dans le Midi, le Dauphiné notamment, par des massacres de grande ampleur dont les victimes étaient des catholiques. Et puis il faut rappeler que le parti protestant s'est rendu coupable à plusieurs reprises de tentatives qui ont de quoi inquiéter les autorités, qui ont de quoi inquiéter la monarchie. En 1560, la conjuration d'Amboise, puis en 1567, ce qu'on appelle la surprise de Meaux, eh bien, les protestants ont tenté de s'assurer de la personne royale. François II en 1560 et le jeune Charles IX en 1567, soi-disant pour le protéger des influences jugées
côté néfaste de la maison de Guise. Tout cela, évidemment, ne crée pas un climat de confiance. Hein. Quand on sait également que les protestants recherchent des appuis à l'étranger, on voit ainsi les protestants de La Rochelle. La Rochelle a été reconnue place de sûreté lors de l'édit de pacification de Saint-Germain consenti par Catherine de Médicis. Eh bien, les protestants de La Rochelle s'adressent à Élisabeth d'Angleterre pour solliciter son aide, en rappelant qu'ils représentent le peuple de Guyenne qui, de toute éternité, a été sous son autorité. Or, l'Angleterre, depuis la fin de la guerre de Cent Ans, évidemment, n'a plus aucune autorité sur la Guyenne, sur le sud-ouest aquitain. Mais ils se disent, ces protestants rochelais, prêts à combattre pour la cause de ceux qu'ils considèrent comme leur souveraine. Alors évidemment, tout cela fait que le climat n'est guère propice, évidemment, à la conciliation. Il faut rappeler tout ce contexte bien particulier pour s'expliquer les massacres du 24 août. Denis Crouzet met également en lumière les imaginaires qui commandent les actions des principaux protagonistes du drame, et en particulier dans le camp catholique. Catherine de Médicis est avant tout attachée à la pacification. Elle a cherché avec son chancelier Michel de l'Hôpital les moyens de trouver le compromis avec la dissidence protestante. Ce fut un échec au colloque de Poissy. Les édits de pacification qui ont été mis en œuvre ensuite ont abouti à des échecs. Mais il est évident qu'on le voit à travers toute la symbolique royale, à travers la symbolique des fêtes ou de l'art officiel, le souci de l'harmonie, le souci de la paix domine très largement chez la régente. Et on voit bien qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à l'assassinat de Coligny si celui-ci avait réussi lors du fameux attentat du 22 août, parce que ça risquait tout simplement d'ouvrir une nouvelle guerre civile, perspective qu'elle cherchait à écarter par tous les moyens. Hein, Catherine de Médicis, encore une fois, cherchait à établir une concorde pacifique à l'échelle internationale aussi. On avait imaginé marier le duc d'Alençon, l'un de ses fils, avec la reine Élisabeth d'Angleterre. Elle allait favoriser l'accès au trône de Pologne de son fils, le duc d'Anjou, le futur Henri III. Il y a tout un programme, en quelque sorte, qui est un programme de paix et de concorde. Pour ce qui concerne la foule parisienne, il faut tenir compte du fait aussi que le peuple parisien est très majoritairement catholique, et qu'il est dans un climat d'exaltation religieuse particulièrement fort à cette époque. On a vu refleurir une aubépine qui n'avait pas donné de fleurs depuis plusieurs années. L'année précédente, 1571, c'est la victoire de Lépante, remportée par Don Juan d'Autriche contre les Turcs. Ça a été l'occasion, évidemment, d'une exaltation religieuse tout à fait considérable, d'un élan mystique tout à fait renouvelé. Tout cela prépare évidemment le massacre à venir, hein, quand il apparaît que la faction protestante, c'est tout du moins ce que l'on croit, s'apprête, à la faveur de l'attentat manqué contre Coligny, à s'emparer du pouvoir, parce que les protestants se disent qu'ils sont tombés dans un piège à Paris à l'occasion de ce fameux mariage d'Henri et de Marguerite, mais les catholiques se disent que toute l'aristocratie protestante, la faction protestante dans son ensemble est réunie à Paris à l'occasion de ce mariage, que ce peut être l'opportunité justement d'un coup de force. Et de fait, Catherine va décider de se débarrasser de la faction protestante, ce qui aurait pu être une opération ponctuelle et limitée, mais derrière, la foule parisienne, le peuple parisien, entraîné par une exaltation religieuse tout à fait particulière, va se livrer au vaste pogrom que l'on sait, vaste pogrom que le roi Charles IX va se sentir obligé de cautionner au cours des journées suivantes. Charles IX, que le peuple catholique, quand il va mourir en 1574 du fait d'espineuses douleurs, comme dit la chronique, hein, le peuple catholique va le
considéré comme un rédempteur qui a racheté en quelque sorte les fautes, les crimes de son peuple en cette nuit fatale d'août 1572. Je vais vous raconter l'histoire d'une vie bien singulière. La vie d'une de ces femmes originales dont le Royaume-Uni a le secret. Je vais vous parler d'Isabella Bird. Nous sommes au 19e siècle, siècle paradoxal s'il en est, le pire et le meilleur s'y côtoient. Retenons le meilleur si vous le voulez bien. C'est-à-dire un siècle où l'Europe, pleine d'énergie, déversait sur le monde une population jeune et entreprenante. Le siècle de toutes les explorations, de la terra incognita africaine aux montagnes d'Afghanistan. Le siècle des progrès scientifiques de toutes sortes. Mais aussi le siècle où l'Europe, contre sa culture ancestrale, maintient la femme dans une éternelle minorité. Pourtant, elle ne pourra empêcher que plus d'une d'entre elles, répondant à sa nature profonde, s'en aille courir le monde. Daisy Bates, Ida Pfeiffer, Alexine Tin, Gertrude Bell, je n'en nomme ici que quelques-unes, car elles sont nombreuses à avoir exploré le monde. En étant néanmoins plus considérées à leur époque comme des aventurières que comme des exploratrices, qualificatif réservé aux hommes. C'est le cas, au tout début, d'Isabella Bird, une Écossaise, fille de pasteur, élevée dans la rigueur d'une éducation anglicane et du siècle de la reine Victoria. C'est dire si elle a grandi dans une période extrêmement convenue et pudibonde. Elle est née dans le Yorkshire le 15 octobre 1831. Son enfance ne peut en aucun cas laisser deviner sa future vie d'écrivain et d'aventurière. En effet, Isabella a une nature plutôt maladive. Elle est en permanence souffrante, en particulier des douleurs au dos très handicapantes. Bref, elle n'est pas du tout prête à courir le monde. Quand on regarde ses portraits, elle apparaît pourtant comme une femme assez belle, avec de grands yeux clairs, dans une figure harmonieuse, mais plutôt sérieuse. Elle n'a pas l'air de plaisanter, on lit la volonté sur son visage. Quand elle atteint l'âge de 23 ans, son père lui donne 100 livres en lui offrant d'aller rendre visite à des parents en Amérique et d'y rester jusqu'à l'épuisement de son pécule. C'est son premier voyage qui donnera son premier livre, publié anonymement, The English Woman in America. C'est un succès. Et pour Isabella, le point de départ d'une vie faite de voyages et d'écriture. Elle va pouvoir financer tous ses voyages grâce à la publication de ses écrits. Car nous sommes au 19e siècle, une époque où le public est friand des récits des voyageurs. On aime les histoires vécues, où le moindre éloignement de la terre natale tourne à l'aventure, voire à l'épopée. Un an plus tard, elle part au Canada, puis se rapproche en séjournant en Écosse. Mais l'air de la Grande-Bretagne ne lui réussit pas du tout et elle tombe à nouveau malade. Décidément, on peut se demander si ce n'était pas une maladie un peu psychologique, car à chaque fois qu'elle s'éloigne de sa patrie, elle constate qu'elle se porte mieux. En 1868, après la mort de sa mère, elle s'installe chez sa sœur Henrietta, sur l'île de Mull, à l'ouest de l'Écosse. Mais le caractère trop casanier de sa sœur lui est pénible et elle organise alors pour s'échapper une série d'expéditions. Une grande partie du récit de ses voyages sont compilées sous forme de lettres qu'elle écrit, qu'elle échange avec Henrietta. C'est quelques années plus tard, en 1872, qu'elle commence à voyager à travers le monde entier. C'est tout d'abord l'Australie, une terre qu'elle n'aime pas du tout. Puis ce sont les îles Sandwich, Hawaï aujourd'hui. C'est des îles qui la fascinent et sur lesquelles elle écrit un second livre. Pendant ce voyage, la traversée entre l'Australie et les îles, le navire traverse un ouragan qui terrorise tous les passagers, sauf Isabella, qui au milieu des éléments déchaînés, revit. Elle écrit à sa sœur, « C'est comme si je vivais dans un nouveau monde, si libre, si vivifiant, si insouciant, si plein d'intérêt, que l'on regrette même de devoir dormir. » La jeune Isabella, maladive et déprimée, a l'air d'avoir disparu dans cette tempête. Sur les îles Sandwich, elle constate que les Hawaïennes montent à cheval, non en Amazone, mais comme les hommes, vêtues de longues et larges jupes culottes. Isabella adopte ce vêtement aussitôt. Elle, qui ne pouvait pas monter car la position en Amazone la faisait trop souffrir, elle avait mal au dos, peut enfin profiter des joies de l'équitation. Moyen bien pratique quand on est une exploratrice.
Elle se fait faire une espèce de jupe-culotte bouffante, un bloomer, qu'elle ne quittera plus pour tous ses déplacements à cheval. Elle peut ainsi monter, mais préserver les convenances. En 1873, elle touche les côtes de Californie, mais rejoint bientôt le Colorado, après avoir parcouru plus de 800 miles à cheval. À cette époque, c'est le Far West. Il faut imaginer que c'est un pays encore sauvage, seulement habité par quelques trappeurs et chercheurs d'or. Au moment de l'arrivée d'Isabella Bird dans les montagnes rocheuses, le Colorado n'est pas encore un État officiel. Il ne fut intégré à l'Union des États-Unis que le 1er août 1876. Isabella veut atteindre une vallée nommée Estes Park. On lui a dit que c'était une région magnifique, mais particulièrement rude et sauvage. Elle n'est peuplée que de trappeurs, d'un compatriote écossais et surtout d'un bandit, un desperado. Quand Isabella le rencontre, c'est le coup de foudre. Nous le savons, non pas par ses écrits publics, bien sûr, mais par les confidences épistolaires que notre héroïne fait à sa sœur. Elle décrit le hors-la-loi comme un homme au visage extraordinaire, âgé d'environ 45 ans et qui a dû être d'une beauté exceptionnelle. Évidemment, la prude Isabella n'avait jamais pu imaginer que son goût de l'aventure la conduirait à connaître le grand amour. En même temps, ce Jim Nugent, comme il se nomme, est loin d'être un vulgaire bandit. Isabella le décrit comme un homme cultivé et d'une grande courtoisie. Quant au forfait qu'il aurait commis, il rajoute un attrait romanesque à sa personne. Quand il lui déclare sa flamme, Miss Bird est très étonnée. Elle ignore qu'elle exerce sur la gente masculine un attrait certain. Elle est belle, intelligente, avec, quand elle voyage, un caractère joyeux et fantaisiste. Pourtant, elle décide de quitter le ranch après avoir joué les Cowgirls pendant quelques mois et après avoir exploré les alentours. Elle part à l'aventure dans les Rocheuses, seule, en compagnie de sa jument Birdie, et pour unique bagage, une couverture pour dormir et trois de ses robes. Elle quitte le hors-la-loi sans se retourner, mais le cœur déchiré. Il n'est pas question pour elle de s'enterrer au fin fond des Rocheuses avec un bandit aussi beau et intelligent soit-il. Elle écrit à sa sœur: un homme que n'importe quelle femme pourrait aimer, mais avec lequel aucune femme raisonnable ne se marierait. Le pauvre Jim Nugent sera tué quelques mois plus tard. Le voyage d'Isabella Bird dans le Colorado a été relaté dans un livre, qui regroupe sa correspondance avec sa sœur, Lady's Life in the Rocky Mountains, publié en 1879. C'est la même année qu'elle rencontre son futur mari, John Bishop, médecin à Édimbourg. Pourtant, elle ne l'épouse pas encore, car elle veut continuer ses voyages. Elle s'est maintenant parfaitement organisée et s'est constituée un équipement sommaire qui est fait d'un oreiller gonflable, d'une moustiquaire, de trois tenues dont son fameux bloomer et quand même d'une baignoire en caoutchouc. Ainsi équipée, elle part bientôt en Asie où elle parcourt la Chine, le Japon, le Vietnam, la Malaisie. Pendant son séjour au Japon, elle vit même plusieurs mois avec les Ainus, un peuple sauvage des montagnes. Mais pendant ce voyage, sa sœur bien-aimée meurt de la fièvre typhoïde. Isabella rentre en catastrophe. Après ce drame, elle reste un moment abattue et sans plus aucun goût des voyages. C'est alors qu'elle va accepter de devenir l'épouse du docteur Bishop, précédemment cité. Mais très rapidement, elle tombe malade. La vie de femme au foyer sédentaire ne lui convenant décidément pas. Elle en profite quand même pour écrire un livre qui raconte son voyage au Japon. Mais 5 ans plus tard, si c'est elle qui était souffrante, c'est en définitive son mari qui meurt en 1886. Pour Isabella, c'est le signal d'un nouveau départ. Mais elle ne veut plus voyager seulement en exploratrice. Elle veut devenir missionnaire. Avant cela, elle apprend la médecine, puis part fonder en 1889 dans les Indes britanniques un hôpital qu'elle baptise du nom de son mari défunt. Elle a presque 60 ans. Par la suite, elle décide de visiter le Tibet, le Cachemire, puis elle passe en Turquie, en Perse, au Kurdistan. Pendant ses voyages, elle prend des notes et des photos qui sont encore de précieux témoignages de la vie des peuples qu'elle rencontre à cette époque. Elle publie encore 2 livres en 1891 et en 1894. Mais quelques mois plus tard, elle rejoint une colonne de soldats britanniques qui voyage entre Bagdad et Téhéran. Nous sommes à l'époque du Grand Jeu. Elle reste un moment en compagnie du commandant et des officiers, mais on l'aperçoit, quelques temps après, seule, dans la région, armée d'un revolver et de son coffre de médecin. Rien ne l'arrête. Pourtant, elle aura durant tous ses voyages plusieurs mésaventures. Des tempêtes de neige au Kurdistan, des inondations puis des émeutes anti-blancs en Chine, une côte cassée au Tibet, un bras cassé en Mandchourie, toujours elle s'en sort et toujours elle repart. En 1897, elle explore les fleuves Yangtze-Kiang en Chine et Han en Corée. Son dernier séjour à l'étranger se déroulera au Maroc, où elle suit à cheval,
Dorénavant, elle monte dessus à l'aide d'une échelle, elle est âgée hein, tout de même, donc elle suit à cheval des tribus berbères. Isabella Bird fait partie de ces grandes voyageuses du 19e siècle, mais elle en a repoussé les limites et a été reconnue par ses pairs pour ses qualités de journaliste, écrivain et exploratrice. Pendant de nombreuses années, ses exploits, ses écrits ont tenu en haleine les lecteurs des journaux qui suivaient ses aventures avec passion. Elle préparait une autre expédition en Chine quand elle est morte le 7 octobre 1904 en Angleterre. Angleterre, un pays qui aura reconnu le talent et les qualités exceptionnelles d'Isabella de son vivant, car dès 1892, elle était devenue la première femme à rentrer dans la prestigieuse Royal Geographical Society. Plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Branca, qui est journaliste. Il a été directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles jusqu'en 2015, mais il est aussi historien. Il nous a donné au cours des années précédentes une histoire secrète de la droite. C'est un historien des idées politiques. Il a rédigé un travail également sur cette question. Et alors je l'ai invité aujourd'hui parce qu'il nous propose un dernier ouvrage intitulé L'ami américain, et avec un sous-titre tout à fait révélateur, Washington contre De Gaulle. Alors c'est une question évidemment importante qui permet de revenir sur des épisodes qu'ils ont un peu oubliés, il faut bien le dire, puisque l'indépendance nationale chère au général De Gaulle a été quelque peu oubliée au cours des dernières années, voire des dernières décennies, notamment à partir de la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais il s'agit là d'un travail d'histoire de toute première importance, car il est certain que dans l'alchimie qu'a représenté le gaullisme, la volonté de souveraineté nationale, d'indépendance, a été un élément tout à fait essentiel. Et dans une large mesure, eh bien, c'est face à l'hégémonie américaine, face à la puissance impériale américaine, que le général a voulu affirmer en quelque sorte la volonté d'indépendance française. Alors je crois, Éric Branca, que c'est une vieille histoire, ce conflit ou ces difficultés entre De Gaulle et les Américains. Il faut remonter de fait à la Seconde Guerre mondiale pour chercher l'origine de tout cela. Il faut même remonter de tout cela. À juin 1940. Ouais. On a beaucoup reproché à Maurras sa phrase sur la divine surprise, qu'on a d'ailleurs beaucoup travesti, parce que la divine surprise n'était pas la défaite de la France, mais le fait d'avoir trouvé le maréchal Pétain pour incarner l'armistice. Mais en réalité, il faut être juste. De l'autre côté de l'Atlantique, Roosevelt pensait exactement la même chose, et contrairement au maréchal Pétain qui a essayé de faire ce qu'il a pu, ou pas d'ailleurs, mais qui a essayé de limiter la casse, Roosevelt n'a rien fait pour aider la France à remonter la pente. Et c'est vraiment dès juin 1940 que la défaite de la France apparaît à Roosevelt comme une occasion inespérée de prendre la place que de fait nous laissions libre. Cette place, c'est d'abord l'Empire français, qui est épargné dans l'armistice, et qui est donc une proie offerte, non pas aux Allemands, qui, comme je le raconte dans le livre, n'ont jamais eu l'intention de passer la Méditerranée pour revers l'Afrique du Nord, pas les moyens de... mais aux Américains et aux Anglo-Saxons. Et il y a un document, je démarre là-dessus en quelque sorte, qui est tout à fait intéressant, qui est un document révélé par les archives américaines, qui est un entretien entre l'amiral Darlan, qui vient de succéder à Pierre Laval, 1941, et le chargé d'affaires américain, Freeman Matthews. Et Darlan dit à Freeman Matthews, je souhaite la victoire de l'Allemagne, car nos colonies seront préservées. Et c'est tout à fait intéressant, parce que c'est cette phrase-là qui a envoyé Pierre Laval devant le peloton d'exécution. Qu'il dit en juin 1942, bien plus tard. Or, ça ne gêne en rien les Américains, car les Américains ont leur plan. Ils veulent mettre un pied dans l'Empire français, sous prétexte d'accords commerciaux,
Et ça n'étonnera personne quand Darlan, qui a prononcé cette phrase, devient le proconsul des intérêts américains en Afrique du Nord en 1942. Donc, toute la politique américaine est là, prendre notre place dans l'Empire et compter sur des gens qui, comment dirais-je, ont beaucoup à se faire pardonner et qu'ils pourront parfaitement contrôler. Et c'est exactement cette anecdote explique parfaitement tout le contentieux entre De Gaulle et les Américains dès 1940, puisque les Américains vont tout faire pour que la France ne retrouve pas la place qui était la sienne au premier rang des grandes puissances, et De Gaulle va tout faire au contraire pour lui faire remonter la pente. Donc ce contentieux, il est originel, il date de 1940. Et les Américains, donc, si l'on vous suit, en fait, joue la carte d'Arlan. Ils jouent la carte d'Arlan, comme ils joueront notamment en Afrique du Nord, après le débarquement anglo-saxon. Mais alors, on pourrait vous répondre que la disparition de d'Arlan, certains l'ont imputé aux gaullistes. Je pense qu'ils ne se trompent pas. Oui. D'ailleurs, De Gaulle a reconnu lui-même dans ses entretiens avec Alain Perfide qu'il savait que ça allait arriver. Il n'était pas peut-être l'architecte de l'attentat, mais il dit les gens qui ont tué Darlan ont fait une œuvre de salubrité nationale. Et dans son esprit, c'était pas du tout le Darlan collaborateur des Allemands, parce que ça c'était de l'histoire ancienne. C'était ce qu'il représentait comme potentialité de collaboration avec un occupant qui était un occupant certes plus amical que les Allemands, mais qui n'avait pas des plans moins délétères. Qui virtuellement, pour l'avenir de la France, virtuellement pour l'avenir était de la France. Tout autant dangereux sur le long terme. Alors il y a aussi un antagonisme quasiment personnel entre Roosevelt un antagonisme personnel qui remonte également à 1940 et qui s'explique factuellement et idéologiquement. Idéologiquement pour les raisons que j'ai dites, parce que De Gaulle est un empêcheur de tourner en rond. Ça c'est clair et net. Mais en même temps, factuellement, car l'entourage de Roosevelt à Washington est un entourage très proche du maréchal Pétain. Très proche du maréchal Pétain. Par exemple, le propre gendre de Pierre Laval, René de Chambrun, qui dirige les amitiés franco-américaines dans les années 30 et qui est avocat d'affaires à New York et à Washington. Qui est l'héritier des Cincinnati ont combattu pour l'indépendance américaine. C'est la descendance de Lafayette. Et puis, il y a aussi des rescapés de la troisième, comme Camille Chautan, qui se trouve être, en même temps qu'un rescapé de la troisième, un proche du maréchal. Et puis il y a, donc tout ça ne milite pas pour une bienveillance envers De Gaulle. Et il y a bien sûr Alexis Léger, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, qui en veut à De Gaulle, dont il pense qu'il a été... Alexis Léger, le poète Saint-Jean Perse, qui sera prix Nobel de littérature qu'il a été à l'origine de son remplacement en 1940. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais enfin ça aide à comprendre beaucoup de choses. Alors, cet antagonisme vis-à-vis personnel, vis-à-vis de Roosevelt, il s'explique aussi par l'attitude des Américains au moment du débarquement, de la libération. Alors ça, c'est l'autre grand conflit, car le premier conflit était finalement assez secret, n'était pas connu du grand public, et puis tout éclate au grand jour au moment du débarquement avec le fameux projet d'Amgott. Je ne le dirai pas en anglais, mais gouvernement militaire des territoires occupés. C'est ça. Le terme même d'occupé en dit long sur ce que les Américains comptaient faire de la France. En fait, dès 1942, De Gaulle apprend que les Américains ont non seulement un projet d'occupation militaire de la France, avec l'implantation d'une monnaie, avec la prise de contrôle des principales ressources économiques et industrielles de la France, mais aussi des projets de partition du territoire français, qui sont d'ailleurs extrêmement proches dans leur conception des projets qu'avait Hitler s'il avait gagné la guerre. Je m'explique. Roosevelt voulait séparer l'Alsace-Lorraine de la France. Hitler l'a fait à son profit. Il voulait également créer au nord de la France une grande principauté belgo-luxembourgeoise qui aurait englobé une partie des départements du nord de la France. Et il pensait même
en récompense de la paix séparée faite par les Italiens, concéder aux Italiens une partie de la rive gauche du Rhône. Donc il y avait un problème, il y avait une menace de sujétion économique, de sujétion politique et de dépècement du territoire français. Vous avouerez qu'il y avait tout de même de quoi gêner les gens qui étaient pour la reconstitution d'une souveraineté française intégrale. Et puis il y a cette course de vitesse tout de suite après le débarquement. Je rappelle que les Américains empêchent de Gaulle de débarquer, qui ne débarquera que 10 jours après, le 6 juin, même plus, le 14 juin, très exactement, à Bayeux. La course de vitesse consistant pour les commissaires de la République nommés par de Gaulle, de prendre la place des préfets de Vichy avant que les Américains n'installent leur administration. Petite incidente qui en dit long sur la bienveillance de nos amis américains. Quand les Allemands avaient occupé la France, ils avaient imposé un taux de change assez léonin, assez inique, puisqu'il fallait 11 francs pour acheter un marque. Mais la monnaie d'occupation était garantie. Alors que la monnaie d'occupation américaine n'était garantie par aucune banque, et le taux de change, suivant les sources que nous avons, qui sont d'ailleurs contradictoires, c'est entre 1 et 13 et 1 et 25. C'est tout à fait colossal. Tout à fait colossal. Donc c'est encore pire que la monnaie d'occupation allemande, qui était, elle, garantie par la Reichsbank. Donc tout ça n'était pas pour faire plaisir à la résistance française, qui s'était tout de même battue pour la libération du territoire, et qui se retrouver et devant des projets. Il y a une claire conscience de cela dans l'opinion résistante à l'époque, dans le flux des événements. Ah oui, tout à fait. Tous les commissaires de la République étaient au courant de ça. Ils avaient été briefés spécialement. Je rappelle que les écoles destinées aux Américains, aux futurs administrateurs civils américains, étaient en Angleterre. Il y en avait deux en Angleterre, et que toutes les services secrets de la France libre étaient parfaitement au courant de ça. Et des gens comme Jean Moulin, enfin tous les grands chefs de la résistance, étaient au courant de ces projets. Et donc il ne fallait pas leur dire deux fois. Mais c'est une réalité, celle-là, qui a été quand même très largement occultée. Très occultée. C'est quelque chose qui est très peu connu, aujourd'hui, et qui n'est pas du tout dans les programmes d'histoire. Même à l'époque où on enseignait encore de manière sérieuse et suffisamment approfondie la période. Et je dirais même, y compris sous la France gaulliste. C'est vrai. On n'en parlait pas. Tout à fait. On n'en parlait pas parce que c'est quand même très humiliant. Alors De Gaulle, évidemment, en fait état largement dans sa mémoire de guerre. Il donne même des documents, puisqu'il est prévenu par les Britanniques. Les Britanniques ont joué un rôle assez positif entre De Gaulle et les Américains, car ils l'ont souvent prévenu des très mauvais coups qui se préparaient. Autant les Anglais ne souhaitaient pas que De Gaulle prenne trop d'importance, autant certains projets américains les dérangeaient, et donc ils ont prévenu De Gaulle. Par exemple, dès 1942, les Américains ont le projet de confisquer l'Empire français. Ni le général Weygand, ni Darlan, qui ont de bons rapports avec les Américains, n'étaient évidemment au courant de ça. Ils le seront bien après. Ce qui expliquera sans doute que Weygand, qui détestait De Gaulle, les rejoint au moment de l'affaire de la CED. Oui, car il a signé contre la CED, ce qui était pour lui tout de même un immense effort. Oui, ça, il faut rappeler, la CED, c'est la Communauté européenne de défense, qui aurait dû être constituée sous l'égide américaine dans la foulée de la Communauté européenne charbon-acier. Exactement. C'est tout le processus européen de l'immédiate après-guerre. Et donc, dans le même temps que pendant la guerre, les Américains faisaient miroiter à Vichy qu'ils allaient les aider, notamment par des accords commerciaux dans l'Empire français, il préparait ce que on appelait à l'époque un international trusteeship, c'est-à-dire une gouvernance internationale de l'Empire français. Et il voulait l'étendre aux Britanniques. Ouais. On comprend que les Britanniques aient fait capoter l'affaire en prévenant De Gaulle de ce qui se préparait pour l'Empire français, et ce qui a donné le discours de Brazzaville de 1944, le meilleur moyen de faire capoter l'affaire, de faire capoter cette internationalisation des empires coloniaux, c'était de promettre à terme l'indépendance. Et c'est le discours de Brazzaville de janvier 1944 qui est qui reflète moins une conviction profonde du général que l'envie de couper l'herbe sous le pied aux anglo-saxons.
c'est un discours, et notamment aux Américains. Opportuniste face à cette situation. Absolument. Mais oui, il faut rappeler aussi que les Américains, à cette époque-là, soutiennent en Indochine Ho Chi Minh. Alors, l'OSS américaine soutient Ho Chi Minh. Ils soutiennent Ho Chi Minh. Faire un tabac en Algérie. Et alors là, on anticipe un peu sur la suite, mais on peut en parler peut-être dès maintenant. Nous avons des preuves qu'ils financent le FLN dès les années 1955-1956 contre la France en Algérie. Il y a même de fortes présomptions qu'à l'origine des événements de Sétif, 8 mai 1945, le propre neveu de Roosevelt, numéro 2 ou numéro 3 de l'OSS, futur CIA, qui s'appelait Kermit Roosevelt, et joue un rôle également déterminant. Car il y avait effectivement un mouvement nationaliste algérien qui se développait, nourri par notre propre défaite, qui leur montrait bien que nous n'étions pas invincibles et qu'on pouvait profiter de l'abaissement de la France pour prendre le dessus. Mais cette violence et surtout cette coordination a intrigué beaucoup d'agents français présents sur place qui se sont dit que ça n'était peut-être pas spontané. – Alors finalement, les Américains sont enchantés du départ de De Gaulle en 1946. – Plus qu'enchantés. – Quand il retourne à Colombey, plus parce que l'Assemblée constituante refuse d'aller vers l'instauration d'un régime tel qu'il le souhaite. – Bien sûr. – Ça fait l'affaire des Américains vont se trouver avec un personnel politique qui leur est acquis, c'est-à-dire, en gros, pour résumer… Robert Schuman aux affaires, président du Conseil et 6 fois ministre des Affaires étrangères, extrêmement proche d'eux, et puis l'inspirateur, comme l'appellera De Gaulle, de tous les gouvernements et l'inspirateur de tout le personnel politique de la 4ème République, Jean Monnet. C'est Jean Monnet qui joue un rôle extrêmement. L'une des têtes pensantes de la construction européenne telle qu'elle se dessine. De la supranationalité politique, du fédéralisme, en gros de la disparition des États. Et lui, son cas est clair, c'est vraiment et depuis longtemps un homme des Américains. Absolument. Monnet. C'est tout absolument. À fait clair. Il y a alors une biographie qui vient de lui être consacrée. Qui est remarquable. Et qui va tout à fait dans ce sens. Alors la 4ème République, effectivement, les Américains ont un boulevard du fait de la faiblesse de l'État, des difficultés qu'ils rencontrent ce régime finalement éphémère. Il a duré 12 ans, avec 23 gouvernements, je crois, en 12 ans. Évidemment, tout va changer à partir de 1958 avec le retour aux affaires du général. Comment est-ce que cela est perçu initialement à Washington en 1958? J'essaie de l'expliquer dans un premier temps plutôt bien, car l'effondrement de la 4ème République est tel et sa débilité est tellement patente que les Américains croient à un coup d'État communiste, enfin une possibilité de subversion. Ils sont inquiets, effectivement. Et donc il y a dans les archives américaines des choses tout à fait extraordinaires, et notamment les confessions d'un agent de la CIA qui n'est autre que le numéro 2 de l'ambassade américaine à l'époque, qui s'appelle Wells Tabler. On trouve sur l'interview, d'ailleurs je donne dans mon livre les références si ça intéresse les lecteurs, qui sont on peut tout à fait lire son interview qui a été faite dans les années 90 par le centre d'archives publiques du département d'État. Il faut rendre d'ailleurs hommage aux Américains de ce point de vue-là, ils ont une politique d'archives d'une transparence avec une clarté tout à fait remarquable. Bien. Et ce Wells Tabler explique qu'il a été mandaté par son gouvernement, par le département d'État, pour que la moitié du groupe SFIO, des socialistes de l'époque, vote l'investiture à De Gaulle. Ils avaient tellement peur des communistes qu'ils soutiennent le retour du général. Et comment est-ce qu'il est mandaté et comment est-ce qu'il arrive à ses fins? Par ce qu'il appelle des relations fiduciaires avec la classe politique française. Et ces relations fiduciaires, c'est lui qui le dit, vont dominer toute la 5ème République, en tout cas gaullienne, parce que je m'arrête en 69, mais il n'y a pas de raison que ça n'ait pas continué. Et donc ces relations fiduciaires vont être d'abord dirigées quelques mois, mais vraiment quelques mois, jusqu'en septembre 58, pour aider De Gaulle à installer son pouvoir par peur des communistes. C'est ça. Et à partir, et très précisément
du 17 septembre 59, ouais. Tout change, ouais. Puisque le 17 septembre 59, que fait De Gaulle ? Il envoie son mémorandum sur l'OTAN en disant, ouais, que si la France n'a pas un rôle équivalent à celui des Américains et des Britanniques, ouais, dans le commandement de l'OTAN, mmh, elle quittera, mmh, l'organisation intégrée. Donc à ce moment-là, la guerre commence. Ça, c'est septembre 59. Septembre donc, hein. 59. D'accord. Ouais. Ce qui n'a pas... Pardon, 58. Septembre 58. 58 avant. 17 septembre 58. Oui, ce qui n'apparaît pas vraiment clairement à l'opinion à l'époque. Mais les Américains ont bien compris. Le régime vient de changer. Absolument. C'est surtout durant les années 60 que l'on voit monter cette tension franco-américaine qui va aboutir entre autres à l'annonce en 66 du départ de l'OTAN. Il y a eu en amont la mise en place de la capacité nucléaire française. Ça n'est pas fait évidemment pour plaire à l'allié. Alors Kennedy n'était pas hostile à titre personnel, je dis Kennedy parce que le département d'État ne voulait pas en entendre parler, à l'acquisition de la force de frappe, mais il voulait qu'elle serve dans un cadre multilatéral. Et évidemment, De Gaulle disait non. Et ensuite, De Gaulle, quand il a développé la force, la bombe H, thermonucléaire, a demandé l'aide des Américains. Car nous étions en retard vis-à-vis des Américains. Nous étions relativement en avance, en tout cas au même niveau pour ce qui est de la technologie nucléaire classique. Nous étions en retard vis-à-vis de la technologie thermonucléaire. Et donc Kennedy a dit, mais il n'y a aucun problème. Mais il faut rester dans le temps. Et De Gaulle a dit non, on mettra le temps qu'on mettra. Effectivement, c'est arrivé en 66, c'est-à-dire 6 ans après l'explosion de la première bombe nucléaire française. Et je raconte une anecdote tout à fait intéressante. De Gaulle, dans ce contexte d'opposition avec les États-Unis, a toujours été un allié très fidèle quand l'essentiel était en jeu, oui, notamment dans l'affaire des missiles de Cuba, l'affaire de Cuba et l'affaire du mur de Berlin. Ouais. Et en 1961, un an avant l'affaire de Cuba, ouais, De Gaulle parle à Kennedy et essaie de le convaincre que la France serait un allié encore plus fiable si elle est indépendante. Mmh. Et il lui dit, imaginez par exemple que les Soviétiques installent des rampes de missiles devant chez vous, en gros à Cuba. Mmh. Et ben, si la France est indépendante, a une force de frappe qui compte, et qui n'est pas seulement une double clé actionnable depuis Washington, eh bien, à ce moment-là, vous serez beaucoup plus assuré de vos arrières, et si la France dit non aux Soviétiques, vous serez assuré. Kennedy, évidemment, l'écoute poliment, et puis n'y pense plus, jusqu'à ce que les Soviétiques installent effectivement leur rampe de missiles à Cuba. Et là, il y a un changement psychologique essentiel chez Kennedy, puisqu'il mandate son secrétaire d'État, Dean Rusk, à Paris, pour dire à De Gaulle qu'il ne met plus obstacle à cette collaboration franco-américaine, ouais, pour le thermonucléaire et au retrait des Français de l'OTAN. Et le plus extraordinaire, c'est que ce message n'a jamais été transmis à De Gaulle. Ah. Et on le sait aujourd'hui par les archives, De Gaulle n'en a jamais eu connaissance. Ouais. Ce qui prouve bien, quand on parle des Américains, qu'il faut distinguer, voilà, exactement, un jeu particulier. Président, oui. Alors président qui peuvent être extrêmement hostiles, même pathologiquement hostiles, comme Roosevelt, qui peuvent être assez admiratifs, oui, du général comme Kennedy, oui, ou extrêmement proches, oui, du général comme Nixon, auquel je consacre la fin de mon livre, oui, parce que ça a été une véritable idylle, oui, entre De Gaulle et Nixon, sur beaucoup de sujets, idylle qui n'a duré que 4 mois, puisque oui, Nixon arrive en janvier. Nixon est élu en novembre 68, et voilà, il arrive en janvier 69, et De Gaulle part en avril avec le référendum, et ça a été 4 ans d'une collaboration très fructueuse, qui donne une idée de ce qu'auraient pu être des rapports franco-américains fondés sur une reconnaissance mutuelle. Oui, puis Nixon, c'est Kissinger, c'est la réelle politique. Exactement. Et là, il y avait effectivement des terrains d'entente, des dénominateurs, exactement, communs qui pouvaient être dégagés avec ce pouvait être la vision du général. Et en plus, contrairement à sa réputation, Nixon est un type cultivé, qui connaît l'histoire de France, qui connaît l'histoire de l'Europe, qui ne méprise pas l'Europe, contrairement à Johnson, qui était un texan assez rustique, on va dire ça comme ça. J'allais dire un ilote, mais vous avez raison. Nixon
est tout à fait le contraire de sa légende. Tout à fait le contraire. Et de Gaulle le suit depuis les années 50, quand il était sénateur. Et il fait sa connaissance, vraiment, en 1959-60, quand il est le vice-président, d'Eisenhower, qui vient en France. Il le reçoit pendant sa traversée du désert, après qu'il ait été battu par Kennedy. Tout le monde pense que c'est un loser, il est définitivement terminé, et il le reçoit plusieurs fois. Et de quoi parle-t-il ? Il parle de la Chine, il parle de la détente, il parle du Vietnam. Et là, on voit que De Gaulle n'est pas du tout l'anti-américain qu'on veut présenter. Quand il a en face de lui un interlocuteur qui ne veut pas détruire la France ni l'occuper, bah finalement, ça se passe très bien. Et alors évidemment dans ces relations franco-américaines il y a quelques moments de tension particuliers. On pense au discours de Phnom Penh par exemple, à propos de la guerre du Vietnam, au discours de Québec en 1967. Je signale d'ailleurs à nos auditeurs qu'Éric Branca a donné à la Nouvelle Revue d'Histoire un article remarquable sur ce discours de Québec en 1967 dans notre numéro 91 consacré au Canada. Et alors ces événements-là jettent un petit peu de l'huile sur le feu. Incontestablement. Incontestablement parce que d'abord il y a la personnalité de Johnson qui est quand même quelqu'un de très particulier. Et puis à la CIA, un personnage de roman auquel il faudrait consacrer un livre entier, consacre quelques pages, qui s'appelle James Angleton, Jésus Angleton, qui est en fait le numéro 2 de la CIA, mais qui, depuis le départ de Dulles en 1961, et le fait que beaucoup de directeurs de la CIA se succèdent, est le véritable homme fort de la CIA. Et lui met au point un plan... Ce sont souvent les numéros 2, d'ailleurs, dans les services qui ont la réalité du pouvoir. Ils sont là pour longtemps, ce sont des politiques qui sont nommés pour un moment. Donc, ce n'est rien de surprenant. Et ce personnage, qui est un anticommuniste... rabique, au sens de... Vraiment, il voit des anticommunistes partout, y compris jusqu'à soupçonner le sénateur McCarthy d'être un agent. Un agent manipulé. Or, ce personnage était d'une fiabilité, je parle d'Angleton, plus qu'étrange, puisque le seul homme qu'il ne soupçonnait pas d'être un agent communiste, c'était son correspondant dans les services secrets britanniques, Kim Philby. Ah oui, en effet, oui. Et lorsque Kim Philby s'est retrouvé à Moscou, les jours d'Angleton ont été comptés. Mais c'est sur ce personnage que compte Johnson pour déstabiliser De Gaulle. Et il va mettre au point une manipulation tout à fait extraordinaire, qui ne fonctionnera d'ailleurs pas, mais qui ira jusqu'à mobiliser Hollywood. Au service de cette cause, puisqu'il va profiter d'un moment de creux d'Alfred Hitchcock, qui entre deux films qui n'avaient pas bien marché, manquait d'argent, pour lui proposer un scénario en or, dans tous les sens du terme, qui est le scénario et la production du film L'Étau. L'Étau qui, entre nous, soit dit, est le plus mauvais film d'Hitchcock, mais qui a des acteurs français prestigieux, Philippe Noiret, Jean Rochefort, qui vient de disparaître, et quelques autres. Et l'idée est de se fonder sur deux livres, l'un qui s'appelle Saphir, qui est paru aux États-Unis et qui a été entièrement dicté par un agent français retourné du nom de Philippe Thiroux de Vaujoly, et puis l'autre qui sont les mémoires de Philippe Thiroux de Vaujoly, agent français, patron du bureau français du SDEC à Washington, retourné en 63 par la CIA et qui a même demandé l'asile politique aux États-Unis. Et ces deux personnages vont aider Hitchcock, ils vont fournir clé en main le scénario de L'Étau, qui sort au pire moment pour le général de Gaulle, mai 68. Et qu'est-ce que raconte L'Étau ? L'histoire d'un président français, très reconnaissable, entouré de taupes soviétiques et qui, en fait, ne défend nullement l'indépendance de son pays, mais prépare l'asservissement de ce même pays à l'Union soviétique. Pour la petite histoire, James Angleton, a fait confiance à quelqu'un dont la santé mentale n'est pas meilleure.
C'est un dissident soviétique arrivé aux États-Unis au début des années 60 et qui prétendait donner à la plupart des services occidentaux le nom des agents soviétiques en Europe. Alors, cet agent a donné de bons renseignements et il a permis effectivement de démanteler un réseau. En France, c'était le réseau Georges Pack. Oui. Et là, c'était de la bonne information. Ouais, ouais. Et tous les autres renseignements étaient faux, ont ne pu être prouvés. Et à la fin de son débriefing, qui lui a valu de devenir citoyen américain, cet agent a été ausculté par des psychiatres et on est arrivé à des conclusions qui étaient nettement moins favorables pour lui puisqu'il prétendait être le fils de Nicolas II. Eh bien, sur cette anecdote tout à fait significative, je vous remercie infiniment, Eric Branca, d'être venu ouvrir ces perspectives un peu inattendues, inédites, quant aux relations entre De Gaulle et les États-Unis. Je rappelle le titre de votre livre, Eric Branca, l'ami américain, Washington contre De Gaulle. Merci.